next part of the story you'll find hard to believe. Magique, incroyable. C'est un côté féerique, ça m'a un peu rappelé Avatar, épique, majestueux. Une grosse claque et on s'est immergé pendant tout le film et c'était visuellement très beau. On passe du rire aux larmes, des larmes au rire en quelques secondes. L'immersion aventureuse du film est géniale. J'ai été parfois déçue par la 3D, mais là il n'y a rien à dire, elle rendait très très bien. Les images sont des couleurs vraiment magnifiques, des paysages magnifiques. Le trésor du temps, ça faisait vraiment une petite bulle d'un monde complètement imaginaire qui nous sort de notre réalité et ça fait du bien. Expérience aussi magique. Il y a un joli parallèle qui se fait tout de suite. J'ai eu un peu peur quand même quand je me suis aperçue que le nom des barques était identique à celle du bateau qui a coulé. Je me suis dit, on va se retrouver dans la piscine. On a le cœur qui accélère à 1000 à l'heure et incroyable. Vraiment superbe. C'est plutôt une aventure en 4D alors. Pour moi, c'est le film de l'année.